Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Hukutu Makese. Monsieur Hukutu Makese, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Edjibi Obanga. Oui. Par le mariage. Félicitations. Nous bénissons et nous sanctifions ces alliances. Ainsi comme non pas au Dieu de fin que ces mariages, mon Père, n'aient pas de fin non plus. Alors je détermine ces alliances consacrées, bénies et sanctifiées au nom de Jésus. Papa Rififi, dans le lit, papa la gypsy. Nous avons un mingi, 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 un mariage, c'est à un mingi, déjà mingi, un 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 Nous sommes le 7 avril 2012, c'est le jour du mariage de Hugues et de Gypsy. Moi, c'est l'oncle de Gypsy. Je m'appelle Jean-Pierre Mbimbi.
je viens juste voir comment ça se passe à la maison déjà, pour voir comment ça se coordonne jusqu'avant d'aller à la mairie. Donc là, on se prépare et pour la mairie, et bientôt après pour l'église, pour la cérémonie religieuse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais que c'est un grand jour pour nous. Ça a commencé déjà hier avec le mariage coutumier qui est le plus important des cérémonies, une des plus importantes des cérémonies de mariage. Hein. C'est là où ça se passe réellement. Bon, pour le mariage civil, c'est la mairie. Pour vraiment confirmer civilement qu'ils sont mariés. Et pour les religieux, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est le plus top des top, mais que tout le monde ne comprend pas. Donc c'est un grand jour, ça va être suivi par une belle soirée dansante qui va être honorée par plein du monde. Quoi. Et voilà ce que je pourrais maintenant, en cet instant, dire. Hein. Nous allons continuer avec tout ce que nous aurons comme programme. Nous avons essayé de faire le mieux pour satisfaire tout le monde, les mariés, les invités, tout le monde. Voilà, c'est un grand jour pour nous, c'est un jour merveilleux, c'est un jour de fête, c'est un jour de joie. Et je souhaite à toute personne qui va être avec nous, tous ceux qui se sont donnés pour que la réussite soit au top. On peut parler de chaque membre de famille, on peut parler des amis, on peut parler de toutes les connaissances. Et particulièrement, surtout hier, je tiens à remercier les gens qui ont préparé à manger et à boire pour recevoir les familles hier, que ce soit du côté de Maman Godlive, je les remercie beaucoup. Ils ont été vraiment très mobilisés. Je peux citer Maman Tété, je peux citer Mamissa, je peux citer Maman Guigui qui se sont vraiment donnés à fond pour venir travailler. En dehors de famille et de maison, je peux citer notre oncle Gérard qui était là, qui ne nous lâche pas, qui nous suit à tout moment. Et surtout notre Povi qui nous met de l'ambiance partout où nous allons, dans les débats concernant la facture, qui n'aime pas dire que c'est la facture, c'est pas une facture, c'est une façon d'honorer le mariage, quoi. Toto Rififi et la grande sœur Marie auront l'occasion pour remercier toutes les autres personnes et surtout nous allons continuer à remercier les familles qui vont être avec nous et on aura l'occasion d'en parler encore. On n'a oublié personne, on va faire le nécessaire pour remercier tout le monde. Merci. Princess, my only one lover. And I just wanna let you know that no one be like you. See, I don't go different places, I've seen many faces. No one be like you. See, they cannot replace you, cause you are a blessing. No one be like you. You're driving me crazy, cause you are my baby. No one be like you. No one, no one like you. One like you. No one, one like you. About a year ago, before I met you, yeah, there was no possibility for me to be rescued. But thank God I found you, girl, I cannot do without you. Now since then I go different places, I've seen many faces that cannot replace you. With you I didn't get many blessings. Girl, you want my life, you're the finest. And I ain't the finest thing I've seen, you're the brightest. The way you the shine in the bling like me, you're the highest. When it comes to red thing, I need it, got it high. La Duchesse de Louville. Toujours Nicolo. Aïe! 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 We are the Nali.
messieurs, bonjour. Bienvenue à la mairie d'Argenteuil. C'est monsieur Célia, adjoint au maire, qui va célébrer votre mariage. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Philippe Doucet, maire d'Argenteuil et le conseil municipal sont heureux de vous accueillir dans la maison commune. Pour la lecture des actes, je demanderai à tout le monde de bien vouloir se lever. Nous allons procéder au mariage de mademoiselle Njimbi Boganga et monsieur Ugutu Makese. Mais auparavant, nous devons vous donner, mademoiselle, monsieur, lecture des articles du Code civil qui vous concernent. Article 211. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Pourvoit l'éducation des enfants et prépare leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 220. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Avez-vous consenti à un contrat de mariage ? Les futurs conjoints ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Mademoiselle Njimbi Boganga, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Ugutu Makese? Monsieur Ugutu Makese, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Njimbi Boganga? Oui. Nom de la loi, nous déclarons Njimbi Boganga et Ugutu Makese unis par le mariage. Félicitations. Maintenant, nous allons vous demander de prendre connaissance de l'acte qui consacre votre union et je vous demande de vous asseoir. Merci. À 15h30, devant vous, Ugutu Makese, agent de sécurité. Domicilié à Lumansa, fils de Alphonse Goutou Matungu et de Laurine Mamungi Panzou, sans profession, Yves Mouganga, agent de service hospitalier, domicilié à Argenteuil, Val-d'Oise. En présence de Bienvenue Nzazi, préparation. De livret de famille. Voilà, félicitations.
celui qui aime vit, celui qui n'aime pas traverse la vie, tout ressemble. Il a fallu que je sache, que ce que thank you.
Bienvenue à cette cérémonie très importante pour la vie de Monsieur Huguet et Madame Gypsy. Devant les hommes, Madame, et d'ici peu devant Dieu, devant la famille, les témoignages, vous deviendrez aussi Madame. Et avant de commencer cette cérémonie, je voudrais inviter la famille, tous présents, à nous aider à présenter à Dieu cette cérémonie. Car s'ils sont venus jusqu'à l'autel, ça veut dire qu'ils ont la crainte de l'Éternel. Et nous ne pouvons rien faire sans l'aide de Dieu, sans la direction de Dieu. Alors je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît, à respecter à Dieu et présenter à l'Éternel Dieu cette cérémonie. Si vous pouvez fermer les yeux, placez-vous au niveau du cœur, je vous en prie. Seigneur notre Dieu et notre Père, en nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, c'est lui qui a permis, à travers de sa mort sur la croix, de cette couple, aujourd'hui arriver sur ton autel. Je suis sûr et certain qu'ils ont traverser tant de luttes, des difficultés, des obstacles, de personnes même qui étaient contre cette liaison. Mais ils ont tout vaincu, ils ont tout surmonté, Seigneur, jusqu'à la dernière minute. Ici, sur ton autel, Dieu, ils puissent consumer, ils puissent devant toi, devant la famille, leur témoignage. Oh Dieu, scellez d'un seul, mon Père, cette cérémonie. La cérémonie du mariage, cette institution du mariage que dans nos jours a perdu tant de valeur, mais que ceux qui ont la crainte de l'Éternel le gardent toujours. Pour cette raison, mon Père, le voilà devant ton autel. Alors je remets entre tes mains cette cérémonie et je détermine qu'elle soit bénie, ainsi comme le couple, le présent et leur famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, et vous qui croyez, dites Amen. Dites grâce à Dieu. Amen. Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît, asseyez-vous. Avant de commencer, tu m'as aidé. Voilà. C'est là où on commence, hein? Hein? Avant de bénir et de déclarer comme ministre de l'autel, comme ministre de Dieu, avant de déclarer messieurs Huguet et Madame Gypsy, mari, femme, la Bible donne quelques conseils. Regardez-moi, messieurs, s'il vous plaît. Merci. La Bible donne quelques conseils pour que le mariage et le marche. Et je sais que vous vous connaissez, je ne connais pas votre histoire, je ne sais pas d'où a commencé, qu'est-ce qui vous a dû endurer pour arriver là. Devant les hommes, vous étiez déjà ensemble. Mais devant Dieu, commence maintenant. Et pour que cette institution du mariage, comme je viens de dire à la prière, qui a perdu beaucoup de valeur par la société, par les hommes, mais devant Dieu, elle est toujours sacrée. L'institution du mariage, elle est tellement sacrée que Dieu
il a dit que l'homme le sera son père, sa mère, et s'unira à son épouse. Et tous les deux, ils deviendront une seule chair, une seule personne. Alors, quand vous allez dire oui à madame, quand vous allez dire oui au monsieur, votre famille commence là. Vous avez déjà des enfants? Pas encore. Alors, c'est là que votre famille va commencer. La dame que vous avez amenée jusqu'à l'hôtel, je ne sais pas quelle est l'importance qu'il y a dans votre vie ou quel est l'écrit de votre liaison, si c'est votre mère, tant Dieu ne sait pas. Mais cette dame que vous avez apportée sur l'hôtel, le monsieur que vous avez apporté, il vous avait rendu à lui. N'est-ce pas, monsieur? Monsieur, vous êtes quoi à elle? Son oncle. Son oncle. Vous avez livré votre nièce dans la main de monsieur Ougué. Amen. Amen. Alors, c'est là où commence la famille. Maintenant, la dame qui vous avait conduite sur l'autel, le monsieur qui vous avait conduite et vous avait livré entre les mains de monsieur Ougué sont maintenant des parents. Votre famille, c'est monsieur Ougué. C'est là où commence la famille. Ougué, c'est nom de famille ou prénom? Mon prénom. Prénom. Le nom de famille, c'est quoi? Boutou. Boutou. La famille Boutou commence là. Votre nom de jeune fille, c'est quoi, madame? Ndembe. Ndembe. Ngimbe. Vous allez laisser d'être mademoiselle Ngimbe. 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 Merci, monsieur. Vous allez laisser d'être mademoiselle Ngimbe pour devenir madame Boutou. Alors, je sais, je connais. On est proche, vous êtes proche de chez nous. Et je sais que normalement, chez nous, comme chez vous, la famille doit toujours décider l'essor de couple. Mais devant Dieu, qui doit décider votre sort, madame? C'est monsieur. Si vous allez dire oui, hein, vous avez encore le temps. Si vous allez dire oui, la dernière parole sera à lui. Et vous, quand vous allez frapper le marteau, quand vous allez dire la dernière parole, soyez conscient que c'est à vous aussi qu'il est en train de faire. Parce que tous les deux seront une seule chair. Et le conseil que la Bible dit, ça sont quelques raisonnements pour la vie des couples. Mais bibliquement, dans les livres de Éphésiens, chapitre 5, verset 22, la Bible donne un conseil à la dame. Madame Gibis, Gibis, c'est ça? Oui. Regardez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, je veux couper un peu le protocole des distances entre les princes et les brebis. Car je veux regarder bien dans vos yeux pour dire qu'est-ce que la Bible le conseille à la femme, aux femmes. Alors la Bible dit, femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Votre soumission à partir d'aujourd'hui, c'est plus ce que la famille dit ou ce que la famille dira. Vous devrez soumission à votre mari. La dernière parole doit être votre mari. Si ça ne marche pas, s'il y aura des moments qu'il y aura, des moments difficiles, il y aura, viendra. Des moments que vous aurez envie de tout abandonner,
et de courir chez la famille pour raconter qu'est-ce que le fait. Rappelez-vous de cette parole. Ce n'est pas la famille qui va donner le dernier mot, c'est votre mari. Tout en sachant que la décision qu'il prendra, vous les deux, ils sont liés. C'est la décision, monsieur, que vous prendrez envers votre épouse, va la faire souffrir, vous allez souffrir aussi. Parce qu'ils sont, vous deviendrez une seule chair. Avez-vous compris, madame? Soumission, ce n'est pas esclavage. Ce n'est pas que le verre d'eau est là, à côté de vous, mais en temps de regarder le foot, et vous dites, oh, femme, donne-moi à boire. Mais le vrai, quoi, est là. Mais supposons que le verre est là, parmi vous, au milieu, la même distance. S'il dit, donne-moi le verre, vous n'allez pas répondre, étends ta main. La distance, c'est la même. Non. Pour soumettre, qu'est-ce que vous devez faire? Donnez le verre. D'accord? Ça, c'est soumission. Ce n'est pas esclave. Hein, monsieur? Soumission, parce qu'elle est corps. Vous serez à la tête. Et avez-vous déjà vu une tête marcher sans le corps? Non. La tête sans le corps, ce n'est rien. Si vous maltraitez le corps, votre tête, il marchera tout seul.